J'ai reçu à l'école de Gamaliel un enseignement strictement conforme à la loi de nos pères. Je défendais la cause de Dieu avec une ardeur jalouse, comme vous le faites tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort les adeptes de la foi que je suis aujourd'hui. Je les arrêtais et les jetais en prison, hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le conseil des anciens peuvent en témoigner. Eux-mêmes m'avaient donné des lettres pour nos frères et j'étais en route vers Damas. Je devais faire prisonnier ceux qui étaient là-bas et les ramener à Jérusalem pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa soudain. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi, je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. Mes compagnons voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui me parlait. Et je dis, que dois-je faire, Seigneur? Le Seigneur me répondit, relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on t'indiquera tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Comme je n'y voyais plus, à cause de l'éclat de cette lumière, mes compagnons me prirent par la main, et c'est ainsi que j'arrivai à Damas. Or, Anani, un homme religieux et fidèle à la loi, estimé de tous les Juifs habitant la ville, vint me trouver. Et arrivé auprès de moi, il me dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Et moi, au même instant, je retrouvai la vue. Et je le vis. Il me dit encore, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la parole qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi hésiter? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Après chaque sauve, nous mettons ensemble. Allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Louez le Seigneur tous les peuples. Fêtez-le tous les pays. Allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier. On paye pas de la, nous tendez pas de la, nous passons mal et qui te peut nous passer. On paye pas de la, nous tendez pas de la, nous passons mal et qui te peut nous passer. On paye pas de la. Selon ses mots.
Jésus ressuscité, dit aux 11 apôtres, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront le langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils se poseront des mains aux malades et des malades sans vraiment mourir. Acclamons la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église célèbre la conversion de Saint Paul. Saint Paul qui fut un pharisien, fils de pharisien, élève de pharisien, qui est converti grâce à la grâce de Dieu. Il est apôtre par la grâce de Dieu, il est devenu croyant. Parce qu'il s'est retrouvé face à Jésus, il persécutait dans les apôtres. Il était très zélé, il cherchait à convaincre ceux et celles qui étaient responsables du peuple juif afin de faire du mal aux apôtres qui parlaient au nom de Jésus. Et Jésus lui a converti en son nom. Il l'a fait de Saint Paul zélé, pharisien, un apôtre très zélé. Dieu a même ajouté quelque chose de plus dans les énergies que Saint Paul avait pour lutter, pour combattre la proclamation de l'évangile par les apôtres. Il était vraiment convaincu que ce qu'il faisait était bon et bon. Il posait de bonnes actions contre les apôtres. Il cherchait à connaître où se réunissaient les apôtres qui parlaient au nom de Jésus ressuscité pour qu'ils puissent prêts à contre-pied leur langage, leurs paroles, leurs actions. Et Jésus ressuscité, que Saint Paul n'a pas connu de son vivant, s'est apparu à ce Saint Paul très élevé pharisien pour lui transmettre un message de paix, qu'il doit agir dans la paix et qu'il doit reconnaître les apôtres comme des frères et non pas comme des ennemis. Et désormais, après sa conversion sur le chemin de Damas, il a eu et a répété ou raconté trois fois dans le livre des Actes des Apôtres et dans sa lettre aux Galates. Il est vraiment épaté par la façon dont Jésus lui est apparu. Sur le chemin de Damas, il avait des lettres pour qu'il remette aux responsables juifs à Damas afin qu'ils aient et qu'il ait vraiment la permission de persécuter les apôtres, poursuivre les apôtres. Et sur son chemin, comme nous savons bien que Dieu, eh bien, il travaille en nous, même si nous ne connaissons pas, nous ne croyons pas, parce que c'est son esprit qui travaille en nous. Dieu a pris Saint Paul avec toutes ses énergies, les énergies positives qu'il avait, et à combattre les apôtres pour qu'il soit lui aussi un apôtre. Et c'est lui-même qui a dit qu'il est plus qu'un apôtre parce qu'il a subi le sort que les apôtres même n'ont pas subi. Il a vécu ce que les apôtres n'ont pas vécu.
dans sa chair spirituellement et psychiquement. On l'a battu, on l'a fait passer par des tribulations. Il a failli mourir plusieurs fois par le naufrage des bateaux, des bâtiments, quand il faisait l'apostolat. On reconnaît dans la Bible ses vols et que nous célébrons sa conversion aujourd'hui comme étant un prédicateur. Et comme prédicateur, il a pu écrire en tant qu'écrivain aussi, parce qu'il est un homme très formé. Il y a une très bonne formation. Et lui-même a dit où il a puisé, où il a reçu sa bonne formation, au pied de Gamaliel. Gamaliel qui fut un maître, un docteur de la loi, un juif, un pharisien, et lui-même était fils de pharisien et pharisien de naissance. Et nous le savons bien, combien les pharisiens n'ont pas voulu voir Jésus. Et quand ils étaient en position d'entendre Jésus parler, ils prenaient à contre-pied le message de Jésus pour qu'ils puissent chercher une façon, une manière de faire tuer, de faire perdre Jésus, parce qu'il avait vraiment de la haine contre Jésus et contre surtout le message que Jésus prêchait. Et aujourd'hui, nous voyons combien il est riche. Et Dieu est beaucoup plus riche en miséricorde parce qu'il a reçu sa conversion avec beaucoup de joie. Et que ce monde converti va passer par des tribulations afin de reconnaître non seulement l'évangile de Jésus-Christ et reconnaître la mission des apôtres. Il a conversé, il a communiqué avec les apôtres afin de connaître le message que Jésus prêchait, le message que Jésus transmettait aux apôtres afin de faire part de ce message et de la transmettre avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de foi, beaucoup de confiance. Saint Paul disait lui-même, et je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et c'est ce même Saint Paul qui disait, je vis dans le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il était tellement convaincu que Jésus est bon pour nous et ressuscité pour notre salut. Et Jésus qu'il a connu, c'est le Christ, le ressuscité, le victorieux de la mort. Et c'est Paul convaincu que Jésus est vivant. Il a tourné en dérision la mort en 2 Corinthiens chapitre 15. Ô mort, où est donc ta victoire? Où est donc ton épée venue même? Le Christ est passé par la mort pour ressusciter tous ces esprits qui étaient morts avant lui, afin de donner la victoire sur la mort, et non pas seulement sur la mort, mais sur tous ceux qui font mourir, qui font peur, comme le mal, le péché et ses compagnons. Jésus a convaincu, a converti ses peuples, parce qu'on ne peut pas se convertir de par soi-même. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vient avec brio dans son cœur et qui opère ce qu'on appelle la conversion, parce que c'est une transformation radicale. Et Saint Paul a connu cette transformation radicale. Il est devenu non seulement croyant, mais envoyé apôtre. Et c'est pour cela que nous célébrons sa conversion. Il est apôtre pour les païens, si on peut dire, pour nous-mêmes en Haïti, parce que nous ne sommes pas juifs. C'est différent de Saint Paul et des autres apôtres. Saint Paul est de Saint-Pierre qui est l'apôtre des juifs, et Saint-Paul qui est connu comme l'apôtre des païens. Il est converti pour convertir les autres. Je me fais tout en tous afin de gagner à tous.
tout prix quelques-uns parmi les infidèles, parmi les perdus, si on peut dire. Parce que Jésus a travaillé l'esprit de ses pôles pour qu'il soit envoyé et envoyé vers les rebelles, vers les ennemis de la vérité, vers ceux et celles qui pratiquent l'injustice, qui pratiquent toutes sortes de mal, et pour faire de des convertis, des croyants et surtout des chrétiens. Et ce qu'on nous dit, eh bien, c'est pour la première fois qu'on s'est converti vraiment en Jésus-Christ, et c'est à Antioche de Pisidie. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Pour la première fois, on a appelé les baptisants de Jésus chrétiens, parce qu'ils faisaient la même chose que Jésus. Ils vivaient vraiment en chrétien. Et si on veut connaître beaucoup plus, non seulement de Jésus qui est mort et ressuscité, qui est élevé à la droite de Dieu, dans le ciel, lire les Actes des Apôtres. Et surtout, la partie qui nous est transmise par Saint Paul, la deuxième partie, à partir de Actes des Apôtres, chapitre 9, parce que les Actes des Apôtres sont les prédications de Saint Pierre, d'une part, du premier chapitre, au chapitre 8, et de la deuxième partie, du chapitre 9 au chapitre 26. Et c'est bon, nous transmet tout ce qui s'est passé, chapitre 28 et 18. Et tout ce qu'il a connu, qu'il a vécu de son vivant. Il n'a pas connu Jésus, mais il a vu Jésus plusieurs fois en songe, et comme c'est comme si c'était vraiment en présentiel. Tant qu'il est convaincu que Jésus est vraiment ressuscité et vivant. Donc, c'est pour cela qu'il s'est déprégné de l'Esprit qui a ressuscité. Jésus donne les morts pour avoir du zèle, pour prêcher la bonne nouvelle et se mettre en route vers le royaume de Dieu en passant par les païens, en passant par les infidèles. Et c'est bon, nous transmet beaucoup de choses. C'est l'un des auteurs de la Bible le plus prolifique. Il a écrit jusqu'à 12 lettres et 13 lettres, et 14, la 14e, c'est l'Épître aux Hébreux. Donc, on dit que c'est peut-être le disciple de Saint Paul, de quelqu'un inconnu, parce qu'il a écrit des vocabulaires qui ne se ressemblent pas à l'écriture de Saint Paul. Et nous le savons, nous, parce que nous sommes en train de lire la lettre aux Hébreux. Et Saint Paul nous a transmis jusqu'à 13 lettres, et très, très, très profond, très profond, les lettres de Saint Paul. Si on veut, et comprendre vraiment la réalité de la vie chrétienne, lire Saint Paul. Parce que c'est un type vraiment formé, très formé. Et Jésus, et Dieu l'a transformé pour qu'il soit un apôtre de Jésus-Christ, et qu'il prêche la vérité qu'il a crue en Jésus. La vérité du Christ ressuscité qu'il nous a transmise de différentes façons ou manières. De par sa foi, de par son vécu, de par sa présence au milieu des croyants. Et il a remis toute sa vie entre les mains de Dieu et entre les mains de Jésus. C'est qu'on avait tellement de foi, il arrivait même à dire aux Philippiens qu'il est prêt de s'en aller. Mais il lui reste quelque chose parce qu'il veut voir la conversion des Philippiens qui lui a accueilli avec tellement de cœur, avec tellement de foi, de confiance et de brio. Donc il veut qu'il
qu'ils soient vraiment des croyants, qu'ils deviennent des croyants et qu'ils reçoivent l'évangile et qu'ils vivent et par l'évangile de Jésus-Christ. Demandons à Dieu, par l'entremise de Saint-Paul, Saint-Paul, apôtre que nous célébrons sa mémoire ce soir, de déverser sur nous sa grâce afin que nous puissions nous aussi nous convertir au Christ et transmettre le message de la foi du Christ aux autres et à la manière de Saint-Paul, apôtre, afin que l'Église soit vraiment édifiée par notre présence et notre manière de prêcher l'Évangile et de vivre et par l'Évangile selon la grâce du Christ ressuscité. Amen. Thank you.
De même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il donna une grâce et la remercia les disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour que la multitude en rémission des péchés. Je me souviens. Thank you.
Evelyne Malcolm et Madame François, et pour Nancy Laurent, et pour Michelin, pour le bienfaiteur de Félix, Jacqueline, Alexandre, Anthony Alexandre, pour ma famille Coubert, ma famille Cavana, pour nos parents, nos amis, le bienfaiteur de Félix. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité, dont l'ardeur enflammait le bienheureux apôtre Paul et lui faisait monter le souci de toutes les églises. Ô Jésus-Christ, mon Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous disposer à adorer le Seigneur vivant dans le très saint sacrement. Et nous allons penser à tous ceux et celles qui nous regardent et à vivre la page Facebook de la paroisse, via YouTube, et tous ceux et celles qui demandent de prier pour prêt. Après avoir regardé nos messages, nos vidéos, nous allons leur porter dans nos prières. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il peut le toucher, il peut le guérir.
li pral konsole ou. Ou men li santi ke ou boulevesse. Ou men li santi ke ou bon bagay ka prakase ou. Profite ou fri Jésus pendant que vous passez dans le temps à soi. Pendant la vie visitée, pendant la vie lavée, pendant la vie portée, pendant la vie guérie, ou même qui vont maladie quelconque. Sont capables de camper, de décamper, sont capables de mettre à genoux, mettre à genoux. Good.
Jésus-Christ. Merci pour ça, vous faites déjà. Merci pour ça, vous faites pour nous connaître. Merci pour nous savoir bien vous faites. Merci pour faire le découvrir encore une fois l'esprit. Comment nous aimer? Comment nous sommes nous-mêmes? Pardonnez-nous. Pour qui ça? On a persécuté le monde. Alors, ce que c'est pas nous-mêmes qui a persécuté personnellement, c'est baptisant le pays qui a persécuté et qui a été pour une parole de ça pour nous dire pour qui ça l'a persécuté le monde. Jésus, où aimer? Jésus, vous aimez Paul, parce que c'est vous qui priez, vous êtes zèle, il est gagné dans lui-même, vous êtes fou, il est gagné dans lui-même, pour être capable de défendre la doctrine judaïsme. Mais pour dire, Paul n'a pas connu que ça n'a pas été, parce que quand il a fait des fous, il a fait des zèles, il a fait ces doctrines par la même phrase. Et si j'ai d'ailleurs qui devait déjà le faire, qui a pu déjà le faire, c'est parce que j'ai devenu des réformés qui font de la essence. Et vous avez touché Paul, vous avez frappé Paul, vous avez capable de frapper Paul. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, la conversion de la Jésus. La conversion de la Jésus, merci pour aimer ça. Merci pour aimer ça au milieu de l'Église. Jésus, ne pouvez n'oublier pas pour votre parole. La parole de l'Église, va être par le Fils, force avec courage. Pour les capables de même suivre avec Paul, pour l'Église, la parole. De doctrine à partir de ce la prière, la manière pour réunir. Jésus, le Seigneur, parce que vous voulez pour réunir, chaque fois, si vous voulez pour réunir, vous faites toutes sortes de choses pour nous. Et bien sûr, vous savez, vous ne vous mais ça vous donne ça, par la force. Seigneur Jésus. Amen. On ne dit pas, on ne fait silence. On ne songeait tout ce que la communion fait. La communion unit nous entre nous. La communion unit nous avec notre communion. Le levain communier, tout tel travail à sa tête. Nous avons l'esprit, nous avons fait charité, nous avons pardonné. C'est parce que c'est pour notre communion. Nous avons Jésus qui fait toujours avec la communion, qui est capable toujours de nous en état, lui toujours communier. Pour bien nous et pour bien l'Église. Tantum ego, sanctum ego, perfectum, sanctum ego.
Jesus,
Oh,
Thank you.
Thank you.